Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 des 1 vs 1 contre l'ami Skyrose avec les armes du marché noir. Comment vas-tu, Sky? Eh ben, ça va très bien. Salut à tous également. J'espère que vous allez bien. Vous êtes confortablement installés? J'espère pour eux. Et d'ailleurs, on tenait à faire une petite... vite fait, très rapidement, une petite mise au point. Bah, surtout de ma part, parce que c'est vrai que la dernière fois, sur le dernier épisode au point américain, j'ai eu une petite baisse de tension, une petite baisse de rythme, mais c'est vrai que ça me ressemble pas. Donc je voulais m'excuser pour les gens qui m'ont trouvé un petit peu mollasson. Un peu mou. Sur cet épisode, je me rattrape, je montre mon cul. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez montre-le prendre... tout de suite. Ah, ça parle, mais ça a pas de gueule. Je me suis pas rasé l'anus. Bon, alors. Aujourd'hui, donc les armes en question que l'on va utiliser, sachant qu'on n'a pas tout à fait les mêmes armes. Par exemple, on aurait voulu s'affronter au RSA, malheureusement je l'ai, Sky ne l'a pas. Et on aurait aussi voulu s'affronter avec le HG40 et là c'est moi qui ne l'a pas et lui le possède. Donc peut-être que dans les prochains épisodes, avec les prochaines armes qui sortiront sur le marché noir ou des caisses de ravitaillement que l'on peut avoir au quotidien, peut-être que l'on va avoir des armes en commun. Mais donc du coup aujourd'hui on va faire que deux épisodes, donc l'épisode Shadowclaw et l'épisode Pied de Biche. Bon, ceux qui regardent cette vidéo n'auront que le premier épisode, forcément le suivant arrivera un petit peu plus tard. Pour les autres, faut être patient. Voilà, c'est ça. Allez, donc on est parti. Donc... je lance Mêlée Générale, Nuketon. J'ai mis... juste pour être sûr, modifierai que j'ai mis 10 minutes, 30 points. Est-ce qu'il y a un truc c'est qui bien. Faut que je... Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. On tient à préciser une petite chose, parce que beaucoup de personnes ont fait « Ah, mais qu'est-ce Skyrose, c'était pas la co, c'était sur ta co, c'est normal que Skyrose il a perdu. » Aujourd'hui, nous sommes sur la co de Skyrose. Et sachez-le bien, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, la personne qui a la co... c'est pas forcément la personne qui va être le mieux lotie. Par moment, au contraire, ça va être l'inverse. Donc voilà. On mais c'est le vrai, sait. C'est vrai. C'est parce on que j'avais fait, je me souviens, le 1 contre 1 au snipe contre Saxi sur BO3. Sur Sako, j'ai gagné. Sur Mako, il a gagné. Ouais, donc comme quoi. Comme quoi. Ouais. Bon, alors là, on va jouer donc avec la Shadowclaw. Tu la gères bien cette arme ou pas? J'y ai joué quand elle est sortie, mais du coup je l'ai plus touché, donc ça fait je sais pas. Ouais, je sais qu'il bail, faut, il faut quand même s'entraîner un petit peu avec. Hein. Ouais, c'est elle est spéciale. Petite particularité que tu n'as peut-être pas précisé. C'est qu'on a mis glitch. Voilà pour faire un petit le spécialiste glitch pour faire un petit coup de. Oh bâtard. Et t'étouffes pas. Est-ce que t'as aimé ça? Bah oui. Pas trop quoi. Non. Oh, comment tu bombardes toi? Allez. T'es où? Je suis dans ton cul. Oh! Regarde, il préchote le salaud! Ah non! Ouais! Mais pourquoi? Oh putain! Ah bâtard, tu me stresses. Et t'es où? Et t'es là encore. Tu sais que j'ai plus de mun là? Comment ça t'as plus de mun? Bah j'ai plus de... Oh, T'as mis pillard toi? Quoi? T'as mis pillard ou pas? Non. On aurait dû mettre pillard parce que là du coup moi j'avais plus de mun. Ah oui, je pense aussi. Bah c'est pas grave écoute mon con hein, tu vas au comment ça s'appelle la baïonnette. Ah c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais tu peux ramasser tes petites flèches par terre. Oh, t'as tellement été con. Ah. Oh, mais c'est... Ah, tu m'as donné le conseil, je te suis poteau. C'est toi qui m'as donné le conseil de la baïonnette. Mais non, mais je fais de la merde et mon chien il gueule, ça m'énerve. Voilà, c'est de la faute de mon chien de toute façon. Le pauvre. Eh ben oui, le pauvre. Ah, je suis tout flashé. Ah, j'y suis allé comme un morpal. Laisse tomber. Moi, j'essaie quand même de pas trop mitrailler histoire de proposer quand même un truc propre. Ouais, mais moi, personne voit mon gameplay, moi. C'est ça qui est bien dans ton...
Ah, bien joué! Là, j'ai pas. J'aurais dû regarder la killcam quand même. Ah non, mais on regarde pas la killcam par contre. Oh, comment tu mitrailles, salope! Non, j'ai fait. J'ai pas fait ça. Tu mens. Par contre, effectivement, ton micro il se baisse. Hein. Ouais? Là, je t'entends beaucoup moins que tout à l'heure. C'est chelou cette histoire. Ah! Je me suis rattrapé. Non, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mot au début, mais c'était pour le. Je sais pas. Mais là, du coup, je me suis remis un petit peu. Je vais faire douter le Karim parce que bon, faut savoir qu'il mène. Hein, il a 2 points, j'en ai 1. Et faut que je mitraille moi aussi. Égalisé. Faut que je mitraille moi aussi parce que franchement, je tire. Mitraille pas là, j'en ai. Et... Salopard. Va. Ah. Heureusement qu'il y a la baïonnette va me sauver, tu vois. Ah bâtard. Oh ah. Non. L'enculé. L'enculé. Kawamba. Putain. Oh dommage. Eh, tu l'as utilisé aussi toi hein. Eh ouais. Eh ouais, t'as eu raison, petit filou, petit malin. Alors, je vais ramasser mes petites fléchettes par terre. Oh, enculé. Oh, premier coup, mec. Oh, la vache. Bien joué. Ah, salaud. Ah, putain. Alors, tu m'as mis le doute quand même avec mon micro, je vais regarder où est-ce qu'il en est. Là, ça va mieux ? Là, c'est pareil que tout à l'heure. J'espère que justement, on va pas non, avoir... Non, il est niveau 60, donc 60, ça va encore. Oui, merde. Je recharge. Ah ! Oh ! C'est une blague ! C'est une blague ! Tu sais que t'étais dans mon viseur à mort ! Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh merde. Enculé, bien joué. Ah, tu es revenu dans la flash, mon petit coquin, hein, tu t'es fait avoir. Ah là, j'ai du mal à... Je commençais bien pourtant. Ah, je comprends pas. Je ne suis pas dedans. Je me fais enculer à vif. J'aime ça. Et donc, c'est moi qui devais montrer mes fesses. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ça. Et ça reste derrière sa voiture. Hein. mais mec. C'est n'importe quoi. Elle est honteuse celle-là, elle est honteuse. Elle est honteuse. Ah, là, mais moi c'est... je me souviens d'un truc. Et franchement je vais le dire. Oh attention. Putain, je suis là, à 25 là, je me fais sans démonter. Mourir. T'as dit quoi? Je suis à 25 sans mourir. Genre. Le mec qui charrie. T'as bah dit non, quoi tu, sur... tu te souviens d'un truc? Je dis ouais, je me souviens quand on a fait le 1 contre 1, enfin les 1 contre 1 la dernière fois. Je me souviens comment tu m'as charrié. Je sais pas si tu te souviens. T'as dit ouais, j'ai gagné haut la main, etc. Oh, j'ai pas dit peu. Ça ouais. Oh là là, comment il transforme la vérité. Tout ça et pour que les. Tout ça pour que les gens ils le prennent en pitié et tout. Ils disent ouais, Skyros c'est le meilleur. Ce V12 c'est un mauvais joueur. Pourquoi tu fais ça? C'est pas correct je trouve. Mais arrête. C'est impossible que je revienne. Pour moi ça va être une défaite cuisante. Cuisante. Pourquoi t'arrives pas avec l'arbalète? Oh. Comment tu... T'étais où? Bah là je t'avoue que vu que j'arrive pas avec le shoot. Ah mais par contre, je viens de remarquer un truc.
Dis-moi. Tu vises. Quoi? Non, crois-moi, j'essaye tout, hein. Non, mais. J'essaye de. Alors, je te le dis tout de suite, ne vise pas, jamais. Avec l'arbalète, tu vises pas. D'accord. Merci de tes conseils avisés. Viser, ça va te nuire à la santé. C'est vrai? Ah ouais. Moi je te le dis, hein, viser c'est la pire chose que tu puisses faire avec l'arbalète. Non! Enculé, bien joué, tu me l'as bien mise. J'aurais dû appuyer sur mon glitch au moment où tu m'as fait ce truc là. Peut-être. Oh! Tiens, poteau! J'aime beaucoup ce petit, cette petite baïonnette là. Ouais. T'es où toi, petit? Je sais qu'on sait. Que nous ouais, sommes... ouais, c'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux. Ouais. Je veux dire là. Ouh là. Oh ouais. Eh hey, mec, là c'est pas possible. La petite tournette, hein. Si tu savais le nombre de balles, enfin le nombre de cars que je t'ai envoyé. Oh, tu me violes, hein. Là c'est du viol total, hein. Mais je veux dire, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Bon, petite minute de silence. Et là, ce qui est drôle, c'est que ce qui est marrant avec Skyro, c'est que il se ferait exploser comme je me fais exploser. Genre, oh la con, oh non, je peux rien faire. Comme exactement quand il perdait contre moi. Ah non, je peux rien faire. Oh là là, je peux rien faire. Tu vis dans le passé. Et merde. Non, j'ai pas dans le passé. J'ai récupéré ma petite fléchette. Salaud. Non, bien joué. Ah là, franchement, je m'incline. Là, je pouvais vraiment rien faire. Bon, en plus, on arrive à bout des 10 minutes. Mais putain. Je pense que, de toute façon... Hop là. De toute façon, hein, 10 points d'avance. La victoire est sans appel. Skyrose égalise à 2-2. Boum. Ouais, là franchement j'avoue que sur cette là je n'ai rien pu faire. Bon, bah écoute, je m'incline très humblement. Tu connais Daryl sur Walking Dead? Ouais, c'est toi? Oh, ah ouais. D'accord. Ah ouais, non mais bon, on le reconnaît pas avec les lunettes, la casquette, les cheveux longs, etc. que j'ai pas. Ouais, ouais. Mais c'est moi. C'est moi. Donc bon bah forcément je pars avec un avantage. Ouais, là j'avoue t'as fait vraiment de très 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 jolies choses. Franchement chapeau. Merci. Je te félicite. Tu as bien vu que je suis resté. Je n'ai pas été mauvais joueur. Je n'ai pas fait des têtes bizarres. Je n'ai pas fait des. Oh, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ce qui est apparu très souvent dans les trois derniers épisodes. Hein. Moi bon. Je ne dis rien. Il faut admettre que surtout l'épisode du coup de poing américain, j'étais comme on pourrait dire un peu de mauvais perdant. Non mais est-ce que t'as regardé surtout le Marshall? Est-ce que t'as regardé les épisodes du Marshall? Non, pas tout. Oh, mec, franchement, t'as 5 minutes, va regarder les épisodes du Marshall, tu vas péter un plomb. Quand tu fragues, t'es le plus heureux du monde. Dès que tu te fais fraguer, ah non, je peux rien faire. Je te jure, tu sais quoi, je vais retourner sur cette vidéo, je vais compter le nombre de fois, tu dis ah non, je peux rien faire. Mais après, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas plus mauvaise foi qu'un joueur de Call of Duty en général. Ouais. Je crois. Donc, écoute, franchement, en tout cas, tu m'as vraiment fait de très 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 belles choses. Tu m'as envoyé des coups de hache, tu m'as envoyé des. Tu m'as mis des coups de baïonnette. Et c'est ce que j'ai douté au début, hein. Ah, au début, j'étais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Au début, tu m'as mis 5-1. Je dis putain merde, je vais me faire défoncer. Je commençais à faire la gueule. Je dis merde. Voilà. Je commençais à faire la gueule. Direct, Hitler, voilà, tu l'as dit. Je commençais à faire la gueule. Mais comme t'as gagné. Je vais pas mentir, je sais comment je suis. Hein. Non, mais voilà, on dit tout le temps. Je suis pas le seul. On dit tout le temps que quand on fait nos trucs, c'est pour le fun. Oui, bah c'est pour le fun, mais c'est toujours plus fun de gagner que de perdre. Ah ouais, ok, ouais. Bon bah voilà pour ce quatrième épisode remporté très largement
par l'ami Skyrose, l'enculé. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour l'épisode numéro 5, qui cette fois, ce sera tout simplement avec la... J'ai dit la batte de baseball, c'est pas ça, ça sera le pied de biche. Allez, à plus tard les amis, et sur ce, on vous laisse, et on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde. Merci à tous, oh, putain le film, merci à tous, ciao, bye bye. To the faraway, see the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there.